Hey yo tout le monde, c'est Willy Sussex, j'espère que ça va bien parce que moi je vais très très bien. Et là vous vous demandez, what? Et c'est quoi ce menu? Pourquoi il y a deux mobs? Et surtout toi, Deadweed? Sérieusement, je me demande pourquoi mon perso est un animal à chaque fois que je rouvre mon Minecraft ou gars. Regardez, je me fais multijoueur et je change. Voilà, c'est un slime. Là, je le refais. Voilà, c'est un skeleton buggy. Oui, c'est un skeleton buggé. Bon, c'est pas grave. Là, vous me demandez aussi pourquoi je lag parce que je fais le montage d'une vidéo justement en ce moment même. Et aussi, vous regardez, mon item dans la main change. Et là, c'est rendu une motherfucking big B. Et là, je suis rendu avec 26 mods. Voilà, ça a augmenté depuis le temps. Et ça, c'est mes parties que je fais solo. Maintenant. Allons sur la YouTube Survival pour continuer cette fameuse série. Oui, je viens de finir le Flash Info. Et pour eux qui veulent savoir aussi, c'est bientôt la Saint-Valentin. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Perso, moi, je la passe seule parce que. Ben oui, je suis célibataire, hein? Je suis célibataire. Et pour eux qui veulent savoir, le 28 de février, c'est ma fête. Pour eux qui veulent me souhaiter ma fête. Je vois pour vous, vous pouvez me le dire via sur Facebook ou sur Twitter ou direct dans les commentaires. Voilà, ou dans les discussions de la chaîne. En tout cas, ça, c'est pas mon problème. C'est vous qui décidez de votre choix. Moi, je ne décide rien de tout ça. T'as quatre poseilles. Ouais, parce qu'il y a mon chat qui dort dans mon lit. Oh, ça lag. Ah oui, on s'est fait de l'armure de la mort. Oh, wow. Où est-ce qu'on était? Bon, regardez aussi le fameux Battle Gear. Hein? Là, j'ai deux mains. Une main, deux mains. Une main, deux mains. Des fois, je la prends à deux mains. Et des fois, juste à une main. Ah oui. Ah oui, ça, c'était une. Oubliez ce que je viens de dire. Oh, le freeze. Et donc, j'ai aussi appris que je n'ai pas besoin de deux, mais juste de une. Ah oui, c'est vrai, c'était un test dans la vidéo, je pense. En tout cas, je sais plus. Yeah. Ah, je like juste pour cette vidéo, je suis désolé, les amis. Mais bon, bah, parce que là, je fais le tournage d'une. Je fais le montage d'une vidéo. Vous n'allez pas me chier dessus, là, mais bon, ok. Si vous voulez du contenu, laissez-moi en faire avec une base d'FPS. Parce que là, je n'ai pas le choix. Il y a une vidéo qui est en train de se faire au montage. Bon. Voilà. Regardez. BG veut dire Battle Gear. Vous cliquez et ça vous emporte vers le menu Battle Gear. Ça, c'est la main de droite et ça, c'est la main de gauche, je pense. Par exemple, je mets une pioche à cette main et je mets une Battle Axe à l'autre. Déjà. Ça rend hyper cool. C'est magnifique comment ça s'est fait. Et voilà! J'ai les deux armes et je peux attaquer de les deux mains. Regardez. Hop, hop. Aïe, 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 aïe. Oui, ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait mal. Alors, reviens ici. Aïe. Oh, c'était quoi ce bruit? Swing. Ça a rien droppé? Ah, puis là, tu te mets à 26-25 FPS, hein? Tu te fous de ma gueule. Bon. Donc là, je vais aller reprendre ma pioche, hein, parce que c'est pas ça, mais. Je n'ai pas de besoin pour l'instant de Battle Gear. Et oui, vous avez remarqué aussi dans le Flash Info, j'ai un nouveau skin! J'ai mon ancien skin! Voilà. Ne chialez pas. Ne chialez pas, ok? C'est nos vies, c'est ma vie à moi et à contact privé si ça nous tente de changer des skins. Voilà. Pendant que je pense, je vais prendre la pierre. C'est pas ça parce que, ouais, on n'a pas trop de pierres. Ah. Mais sérieusement, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Et ben c'est ça, hein. Moi je passe mes examens, je viens bien, je vais battre mon bulletin deuxième étape. Je sais que vous vous en fichez.
Ok, dans le temps, j'ai rien. J'ai pas de stick? Non. Vous vous souvenez, dans le premier épisode aussi, je suis encore désolé de m'avoir remis en créatif, mais bon, si je voulais retrouver mon stuff, ça avait servi à rien, mais j'ai quand même réussi à retrouver mon stuff en fin de vidéo. J'ai été vraiment content. Sérieux, de succès. Je déteste les succès, moi. Non, mais qui s'est aussi bugué dans ce jeu, les succès depuis quelque temps. Je me souviens que ça faisait pas ça dans la 1.5. Encore un éléphant. Bon, eh ben, objectif aujourd'hui, j'aimerais bien trouver du fer. Pas ça, mais si je veux avoir la wind. La wind. Sword. Désolé, je perds mes mots aussi, il est tôt le soir. Si je veux la wind sword, eh ben, il me faudra deux lingots de fer, sûrement, hein? Sinon je peux pas me faire d'épée. Ah, mais ça fait du bien aussi de faire des vidéos avec vous. Et comme vous l'avez su, là, je sais pas, parce que j'ai regardé ma vidéo, mais sûrement que ma voix, elle griche. Je sais pas pourquoi. Mais aussi, je peux pas faire pour l'instant de vidéo Xbox. Je vais attendre d'avoir un game capture HD. Et de toute façon, là, pour là, ça sert à rien. J'ai plus Xbox Live, voilà. J'avais le goût de faire la vidéo sur Destiny, mais bon, la campagne, c'est quand même bon. Mais c'est toujours la même map. J'aime mieux quand même le multijoueur de Destiny. Complètement aussi Destiny. Et c'est vraiment le mélange entre Halo et Call of. Ils nous l'avaient dit. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vraiment ce qu'on pense. Parce qu'on peut jouer à Halo. Parce que pour eux qui ne savent pas Halo. C'était quoi ce bruit? Bon, je sais pas. Pour eux qui ne savent pas, Halo est un jeu à tir à la première personne. Non, à la troisième personne, je me souviens plus. À tir au jeu d'FPS. Mais pour viser, c'est pas la même touche que Call of. Call of, c'est la gâchette de gauche. Et pour eux, sur la gâchette de gauche, oui. Pour eux qui ne comprennent pas, aller regarder une manette et regarder les. Bah, vous savez. Mais les affaires qui s'arrêteraient, bon. Les affaires. Mais sur PS3, c'est les bumpers. Pour nous autres, Xbox, c'est les bumpers. Eux autres, c'est R1, R2, L1, L2. Nous autres, c'est RB, LB. Right bumper et left bumper. Bon, ça vient de sonner. Et RT, puis LT. Le T, je sais pas ce que ça veut dire, sérieusement. Et donc, c'est ça, Destiny, quand même un bon jeu pour la simple et unique raison que sur Halo, pour viser, c'était sur le joystick de. La manette, ben, c'était le joystick pour tourner son personnage. Et ça j'avoue, c'était complètement chiant. J'avais hâte qu'ils changent leur affaire. Et là, quand j'ai entendu parler que Destiny a été faite par les concepteurs de Halo et les créateurs de Call of Duty, qui est Bungie et Activision, je me suis dit, bon, sûrement qu'on va avoir enfin les touches de Call of dans un jeu un peu comme Halo, non? En fait, oui, là j'ai complètement raison à ce que je pense. C'est comme Halo complètement à part la campagne. Hein. Et les personnalisations de joueurs. Mais c'est ça. J'avoue, c'est un très bon jeu, je vous le conseille et merde. Je vous le conseille parce que je me fais du fun moi là-dessus. Surtout que moi j'ai un titan niveau 10, niveau 11, niveau 10, je me souviens plus. Crée-moi, Rastosh, je suis sur Vénus dans la campagne. Eh oui. Ensuite. Titanfall, bah, j'ai pas besoin de vous en parler. Vous l'avez eu en vidéo. Pour ce qu'ils se demandent, moi, c'est juste pour la déco, voilà. De four. Ça pourrait servir un jour. Personne ne le sait. Mais de four vaut mieux qu'un. Voilà, c'est dit. Et là, j'ai même pas mon timer.
C'est pas grave. Objectif aujourd'hui, c'est je trouve du fer. Si, attendez, je regarde là. Ah, c'est un. Si, à 40, j'ai pas trouvé de minerai de fer et j'arrête la vidéo. Parce que, quand même, la vidéo va avoir duré assez longtemps. Parce que là, pour eux qui ne savent pas, chez moi, il est 7h30. Et j'ai 10 minutes pour trouver du fer. Mouah! Tout, 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 tout. Je remarque ça, mais il y a du bambou, youpi! Le bambou va nous servir. Oups. Bon, j'ai une question. Si je me mets à 6 chunks. Bon, d'accord, pour cette vidéo, je vais rester au bas des FPS. Je suis désolé, mais bon, ok, ne chialez pas. Prochaine vidéo. Ah oui! Quick Inventory! Ça, c'est un mode que j'ai eu grâce à Contact, je le remercie. Qui suffit de faire CTRL molette. Et voyez, ma barre d'inventaire change. Comme par exemple, vous voyez cette barre d'inventaire, elle est là. Là, si je fais ça, elle est rendue là. Si je le refais, elle est rendue dans mes mains. Et pour vous dire qu'il ne compte pas les espaces libres. Donc, s'il y a un espace libre et qu'il y a une barre là, elle va tout de suite aller dans l'inventaire. Voilà. Ensuite, comme mode que j'ai rajouté, attendez, je regarde. Vous voyez, instant block. Hein? Ça, c'est. More Diamond Tool, je pense. C'est grâce à Contact. Ah, encore, oui, c'est lui qui m'a trouvé des mods. Juste pour vous dire que les armures, ces deux armures-là, ont des bugs de texture. Ils ont. C'est ça, il y a des bugs de texture. Et pour vous dire aussi, j'ai spécial. J'ai spécial armure. Et oui. Et pour vous dire que les armes scorpioniques. Je les appelle comme ça, ne marche pas avec Metal Gear. Voilà, c'était juste que ça que je voulais vous dire. Juste, je me pose une question, comment ça se craft? Ok, c'est comme ça se craft. Ensuite, d'autres modes que j'ai rajouté. J'ai pas d'autres modes. Bof. Bon. Regardez aussi, j'ai Ray Minimap, oui, c'est ça l'autre mode. Pour eux qui n'avaient pas remarqué, c'est un petit peu dur de ne pas le voir. Comme vous voyez là, plus que je descends, plus ça me monte les cavernes. Donc par exemple, si je vais par là, je pourrais trouver une caverne. Mais c'est pas par là que moi je veux aller. Si je vais par là, il va y avoir une caverne. Là, nous sommes à la 40e couche. Dans Minecraft, il est 19h. Non, 20h. Let's go. Shit. Voilà. Minon, 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 minon. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, pareil. Voilà, je me fais une table de craft. Ça va servir. Voyez, je suis quand même bas de rendu, mais j'ai quand même monté d'FPS. C'est quand même mieux que mon autre ordi. Je vous avoue, mon autre ordi, quand même, j'étais à. Je faisais les chunks à 2 et j'étais quand même à 15 FPS. Ah, mais je suis content d'avoir un nouveau portable. Et surtout que quand je joue sans mode, désolé, sans mode, eh ben je tourne à 60, 70 FPS. Avec mode, 40, 50 FPS. Avec Fraps, 20, 30 FPS. Fraps se fout complètement de ma gueule, hein. Je vous dis. Je suis supposé trouver la caverne bientôt, hein. La caverne d'Ali Baba. Bordel, ça fait chier. Bon, pour eux qui connaissent pas, le gravier est contre la gravité. Mais, cet effet, s'il y a quelque chose qui n'est pas
un bloc solide, ben solide, qu'est-ce que tu fais le bloc en dessous, que ça s'enlève, par exemple une torche, regardez bien qu'est-ce que cela va faire. Voilà. Je vais le refaire ici. Avez-vous vu? Désolé. Avez-vous vu? Ceci fait enlever tout le charbon d'un coup. Faut être rapide, hein? Des fois, ça marche pas et ça supprime la torche du monde. Regardez, ça l'a supprimé. Ah, j'ai trouvé la grotte! Voilà! C'était justement ici qu'il fallait aller. Ici, il y a du charbon. Ça descend encore plus bas. Y a-t-il du fer? Je suis curieux. Oui, on a du fer! Yes! C'est cool. C'est cool, ma belle Raoul. Et pour eux qui ne savent pas aussi, la Windsor fait un knockback. Hein? Pour eux qui ne savent pas, c'est quoi un knockback? C'est du recul. Eh ben, j'ai trouvé une mine de fer. Youpi! Bah voilà. Et il est. 5 minutes. Ça m'a pris 5 minutes pour trouver du fer. Ok, j'ai rêvé, j'avais cru voir du diams. Et j'entends un donjon. Hop. J'avoue, j'aime mieux bloquer ça. Hop. Et voilà. Non, non, mais pas ça. Je vais avoir de la misère à m'habituer à ce mode. J'explore, les amis, j'explore. Hein. Pourquoi y aurait-il de la cobble? Sérieux, les amis, pourquoi y a de la cobble? Ah! Ah! Ok. Parce qu'il y a une petite source de lave et grâce à l'eau, ça fait de la cobble. Je viens de le catcher. Voilà. Encore du fer. Youpi! Voilà. Oh! Ok, j'ai eu un bug. Ok, ça mène à rien. Et ça? Ça mène à quelque chose, mais je veux pas y aller pour l'instant. Pour l'instant, nous avons 16 fer. Waouh, ça a monté vite. Encore un. Allez, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il nous fait 11 fer de plus. Non, on en a 22. Hop. Let's go, on va descendre par là. Voilà, c'est pour que je puisse remonter. Ok. Ah merde, je viens de trouver une faille. Eh ben, c'est cool pareil. Ça, c'est quand même riche en minerai. Comme ici, c'est riche en charbon. Encore du fer. Ben, je suis preneur, moi. Voilà. Eh ben, youpi, on aura aussi assez pour se faire une armure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était l'objectif de la vidéo? Eh ben, on l'a eu. Trouver du motherfucking iron. La raid. On est quand même en train de la 19e couche. On a descendu, mais en cyber. Alléluia. On va se trouver un moyen pour y aller, hein. Hop, c'est maintenant que tu vas servir. Tu me donnes la cobble. Voilà. Hop. Allez. Je fais quelque chose, les amis. Ok, mon micro il tourne. Parce que j'ai toujours peur que mon micro ne tourne pas. C'est juste ça la seule peur que j'ai.
Allez, de faire gratuite plus. J'espère qu'il n'est pas tombé. Ah non, j'ai ramassé. Il y a de l'or là-bas. Bon, ben, on va explorer ça, une autre shot. Pour l'instant, on va remonter à la surface. Allons-y, compagnons, allons. Minons. Nous allons remonter à la surface, ça va être un petit peu rapide parce que. Quand même, on n'a pas descendu très très loin pour trouver tout ça. J'entends un zombie, mais je sais pas d'où il vient, hein. Je sais qu'il y en a un. Aïe, 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 aïe. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis aïe, va se regarder. Il se fracasse la tête. Voilà! Nous avons sorti! Hop! 30 de fer, pareil! C'est quelque chose, ça! 30 de fer. J'ai assez pour me faire une battle axe et la wind sword. Cette battle axe. J'aurais assez pour me faire un bouclier. Une seconde de bloc. Une seconde point 5. Bon, ok, comment on craft le bouclier? Je vais faire lui en bois, hein, désolé. Repeat. Ah, ok, fallait que je me demande des questions. Hein. Voilà. That shield. Voilà. Les shields vont là, parce que, gars, regardez, il y a aussi deux boucliers. Ah, voilà, merci. Et donc là, nous allons crafter cette fameuse épée, la Wind Sword. Êtes-vous prêts, les amis? Boom! La Wind Sword qui fait rajouter un dégât de plus. Voilà, elle est vraiment belle. So what? Quand je fais un clic droit, ça me met un boost. Et un saut boosté. Wouhou! J'ai pris du speed! Yeah! Pépin! Pam! Oh, le pnot back! Boing! That pnot back! Oh, mais c'était mon goal. Combien de durabilité? Ok. En sachant qu'on quand on utilise le pouvoir, eh bien, ça l'affaiblit plus que 1. Wouah! Je suis trop rapide! Holy shit! Allez, nous allons nous faire une battle axe. Et voilà où. Bon, ça fait plus fait. Merci. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Comment ça rend avec le bouclier. Êtes-vous prêts, les amis? Hop. 3, 2, 1. Et tadam! Le bouclier est malade. Le bouclier est totalement bien fait. Et là, quand je fais air floum. Are you ready for battle? Attendez, j'enlève l'armure d'Altair parce qu'on voit la main dépasser. Are you ready for battle? Yes, sir! Voyez la barre, c'est la barre de protection que je peux faire. Pion, pion. Et maintenant, je peux attaquer et en même temps bloquer. Et aussi que je n'ai pas juste un inventaire de Battle Gear, j'en ai une, deux et trois. Qu'est-ce qu'il fait, ma main? Qu'est-ce qu'il fait, ma main? Pervers. Allons essayer ça. Allez. Salut, canard. C'est ça, ta gueule. J'aimerais un mob plus fort. Comme toi, l'éléphant. Tu as l'air assez costaud. Boum. Aïe, aïe, aïe. Allez, arrête de te battre. Ok, depuis quand ça donne de la fourrure pour un éléphant? Ok, je vais arrêter de me poser des questions. J'ai tué ta mère, et là je te tue. Pas respect.
Merci. Salut le raton! Aïe aïe aïe, ça fait. Ça m'a tapé sans que je sache. Voilà. Ok, il y avait un bug. Je pouvais plus l'enlever. Mais j'ai déjà faim, putain. Voilà. Je suis en difficulté combien, moi, là? Normal, ok. It's easy peasy. Alors, on va se faire des belles armures et on va se quitter là-dessus parce que c'était juste une petite courte vidéo que je voulais vous faire. Voilà. Voilà. Comment faire 3 morceaux d'armure facilement. 1, 2, 3. Voilà. Hop. 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 Voilà. On est vraiment beau. Allez, serrons tout ça. Donc, c'était Willy6. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, ça m'aura vraiment plu de la faire avec vous. Et donc, c'était Willy6 qui vous dit... ciao les amis, et à la prochaine. Ciao, ciao.